Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans l'épisode 12 de Assassin's Creed Odyssey. Puis en fait on avait rencontré, je me rappelle, la maison de la pitié. Mais on n'a pas rencontré la maison de la pitié. On a rencontré la personne qui est la pitié. Puis finalement on nous avait donné des explications sur le culte, un peu plus en fait, en détail. Puis on devait trouver un masque puis un voile. Mais il s'est révélé que la personne qui donnait le masque et le voile, ou plutôt la personne qui pourrait nous fournir ce genre de truc, c'était Véré Elpenor. Oh my god. Je parle des fois mal. Ouais, c'est ça. Donc, il s'est avéré que ce soit Elpenor. Mais le truc, c'est qu'il est déjà mort, donc ça sert plus à rien. Des fois, je me dis que je regrette un peu de l'avoir tué. Mais bon. Je pense que ça faisait partie de la mission aussi. Enfin, je pense. Mais si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, assez bavardé, donc la quête, on va la faire, la vérité éclate toujours. Il est où, Hérodote? Oh, non, j'avais pas fini. C'est ça, il est où, Hérodote? En fait, c'est juste à côté. T'es stupide. Enfin, je pense que c'est juste à côté. Oh, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Je croyais qu'avec X on pouvait monter dessus. Mais c'est ça, monte. Oh, attends. Doucement. Oh, attends, je peux augmenter, je pense, le navire. Je voulais faire ça depuis avant. Yeah, on peut le faire enfin. Yes. Bon, c'est qui la prochaine personne qu'on va choisir parmi toutes ces Marlots? Il a déjà été. Ou plutôt, il l'est déjà, donc ça sert à rien. Il a plus de... J'allais dire d'expérience, mais il a plus de valeur, celui-là. Ouais, on va garder ces deux-là. Ils sont plus forts. Avance. Ben là, comme si je savais pas qu'on pouvait améliorer. Le navire, c'est stupide. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, celui-là? Alors? Qu'a dit la pitié? Le culte de Cosmos me cherche. Mais je serai la première à le trouver. Ah bon? Elle m'a dit qu'il se réunissait dans une salle secrète, sous le temple d'Apollon. Alors tout est vrai. Si le culte a réussi quelque chose, c'est à me berner. J'en ai tué un premier adepte, Elpenor, un serpent rencontré à Kefalonia. Son masque et sa cape m'aideront à entrer dans la salle. Alors ils sont sous le temple d'Apollon? Oui, oh, près de la grotte de Gaïa. Je crois que je connais l'endroit. Trouve-le et je te retrouverai là-bas. Voilà! Attends, c'est ça que j'allais dire? Non, c'est pas ça. Je me demandais, mais pourquoi j'ai ça? Je me demandais, mais ça servait à quoi? Et là, je viens de réaliser... Ta 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 ta. Ok, je viens de foirer la musique. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on avait besoin. Donc, on n'avait pas besoin de Elpenor. Même s'il est mort. On s'en fout. Ok, ça c'est quoi ça? Oh, j'ai eu un nouveau casque. Mais c'est de la merde. Donc, j'ai pas besoin. Donc, finalement... lieutenant disponible... L'antre du serpent. C'est quoi ça encore? Voyons voir ça. Dirigeants dissipés. Ceux qui convoitent le pouvoir sont prêts à tout pour s'emparer. Il faut débarrasser le monde grec de ses prétendus dirigeants et de leur base. Cela nous permettra de peut-être
connaître la paix. Okay, pour l'instant, on va laisser ça de côté. Ça aussi. On va aller faire l'antre du serpent. Mais c'est pas ce que j'ai déjà fait. Bon, je pense qu'ils font juste me répéter. Allez, viens, Phobos, t'es lent. On y va. Bon. Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans mon chemin, toi? Les animaux. J'ai entendu penser, y'a pas un moyen plus rapide de... Allez. Hey. Attends. Je vais prendre une pause, puis je vais laisser le cheval s'en occuper. Je suis en train de penser à un truc, il n'y a pas un moyen plus rapide comme pour que le cheval court comme ça, sans que j'ai à cliquer sur X, comme en le contrôlant de moi-même. Si c'est le cas, ben, ce serait vraiment bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh oh. Allez. Ok, fiouf. J'ai cru que c'était un bug. En fait, c'était un bug. Ah ouais, c'est bon. Arrêtez de me dévisager et de me traiter. Vous savez que je peux vous tuer si je veux. Mais je vais pas le faire parce que je veux pas avoir des mercenaires à mes trousses pour rien. En même temps, ça me donnerait d'autres... comment on dit ça? D'autres personnes voilà dans mon équipage. La subtilité n'est pas leur fort. Je suis d'accord. Ouais, ils ont dû faire quelque chose de vraiment gros, on dirait. La salle secrète du culte, ici, pendant tout ce temps. Je vais entrer. Je peux te laisser mes vêtements? Mieux vaut aussi laisser tes armes. Je doute qu'ils les voient d'un bon œil. Oh non, moi je trouvais que c'était pas une bonne idée, mais... Comment tu me trouves? Terrifiante. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. M'emporter? Moi? Oh ben, tu fais des ravages quand tu veux, toi. Alors c'est normal qu'ils te disent ça. En plus, c'est moi qui fais des ravages. À travers elle. Bon, on va rentrer dans le culte. J'ai hâte de voir ça. Quel imbécile a eu l'idée d'un costume pareil. Oh, ça, je suis d'accord avec toi. Surtout que je trouve qu'il est moche. Si au moins c'était le masque d'Anonymous, ça aurait été différent, mais... Bon. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va passer. Oh, attends, je vais voir s'il y a d'autres trucs plus intéressants. Je sais pas, moi. Oh, c'est ça que je m'essaye. Ah, oh, juste 4 drames, t'es sérieux? Vous pouvez me dire pourquoi vous avez foutu 4 drames derrière un mur en fait? Pour que je le vole? Ok, importe. Ok. Voyons voir ça. Tu es très en retard! Heureusement, Deimos n'est pas encore arrivé. Pardon, c'est ma première fois. Une nouvelle recrue? Bienvenue, bienvenue! Je vais aller parler aux autres. Merci. Oui, oui, avant l'arrivée de Deimos. Tu risques de ne plus pouvoir après. Je peux pas attaquer, ben évidemment j'ai pas d'armes. Alors, mieux faut faire attention.
Peut-être lui. Ok, en fait, ceux qui jouent un... N'écoute pas, oublie la mer. Je ne suis toujours pas convaincu. Quoi? Nous avons besoin d'un autre avis. Pourquoi nous disperser pour chercher une femme introuvable? En concentrant nos moyens, nous pouvons prendre Athènes. Ah bon? Il faut s'occuper des menaces immédiates. Il faut abattre Périclès. Pas sans la mer. Nous ne sommes pas assez forts sans la mer. Ne dis pas ça à Deimos. S'il faut traquer quelqu'un, c'est le père. Nous savons déjà qui est la mère. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Qu'en dis-tu? Faut-il traquer le père ou la mère du champion? Oh, il parle de mots. Ni l'un ni l'autre, ils vont trouver ça bizarre. Je veux dire le père. Le père. Qu'est-ce que je disais? Vous vous trompez. Si vous voulez bien m'excuser. Non, il va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce culte. C'est le père. Bon, voyons voir ce qu'il va me dire, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Sacrifice. Ce n'est que du sang, mais qui sait? Deimos réclamera peut-être nos mains. Deimos, c'est quoi au juste? Allez, allez, fais ton offrande. Enfin, tu vas voir. Je vais faire mon... Non, pas moi. Le sang est pour la cause, pas pour lui. Fais ton sacrifice. Oh my god. Pardon. Il nous suffit de garder à l'esprit ce que la lignée va accomplir pour nous. La lignée? La mère, le père, la sœur. Tu sais, les siens. Nous avons besoin d'eux. De tous. Pour nous aider? Mais Deimos ne doit rien savoir, bien sûr. Tu sais comme il est instable. Il ne ferait qu'une bouchée de nom. Prends soin de moi pour garder le silence. Tu feras bien. Il ne doit pas savoir que nous allons bientôt enlever sa mère. Parle de qui? Parle-moi de Deimos. Il nous a montré ce que nous devions savoir. C'est une machine, une arme du culte. On ne peut confier à un homme si instable des informations aussi personnelles. Ok. Tu sais où elle se trouve? Non. Mais on ne tardera pas à l'apprendre, crois-moi. C'est la prochaine cible du culte. Oh. Et qu'allez-vous en faire? À ta place, je baisserai la voix. Sache seulement qu'il en sera fait bon usage. Sauf si elle se défend. Oh. Bon. Je dois partir. À notre grande ambition. Oui, à l'ambition. Fucking bizarre ce gars-là. Oh. Bref. Oh, une cascade d'eau. Ben, j'allais près de la cascade d'eau. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ça a l'air intéressant, qu'est-ce qu'il y a à voler? Une correspondance du culte. Oh. Par les dieux. Ils sont présents dans tout le monde grec. C'est encore plus grave que je l'imaginais. Lettre découverte à l'occasion d'un rassemblement adepte. Putain, merde. Moi, je trouve juste bizarre un truc. Ils se posent pas des questions sur le fait que... en fait, je saute tout seul. Ben, c'est vrai. Je me déplace tout seul, puis... Il n'y en a pas un seul qui se demande... qu'est-ce que le nouveau fait, ou... En tout cas, moi, j'aurais trouvé ça bizarre.
à mon avis, ce que je fais jusqu'à maintenant n'a rien de bizarre. Ressaisis-toi, Malnaka. On dirait un porc qu'on s'apprête à abattre. Je vais le faire, je le jure. Je vais le tuer. Laisse-moi. Oh, wow. Ça te plaît de regarder, petite ordure? Tu vas faire plus que regarder. Tu vas donner une bonne leçon à cet avorton insolent. Oh my god. Il le mérite? Qu'est-ce que ça peut faire? Obéis, c'est tout. Sans poser de questions. Oh wow. Je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas peur. Plus maintenant. Si tu ne réussis pas à tuer un artiste, comment feras-tu pour exécuter un archonte? Je vais le faire. Je vais tuer Phidias. Je... Allez, montre-leur ce qu'on fait aux lâches. On les brûle. Je vais le faire, fais-le toi. Non, fais-le toi. Si tu ne sais pas t'amuser... Tant mieux pour moi. Voilà ce qui se passe quand on fait pas ce que je demande. Eh ben... C'est étrange. Une autre erreur de ce genre. Je ressens quelque chose. En direction de la pyramide, maintenant, couverte d'éclats. Fiche le camp d'ici si tu ne veux pas recevoir le sang de cette traîtresse. Toi, on a vu quelqu'un entrer chez toi. On a trouvé des gardes morts à l'extérieur. Dis-moi à qui tu as parlé, ou tu ne ressembleras plus à rien. Oh my god. Non, je t'en supplie. Elle m'a obligé, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Oh, c'est la pitié. C'est moi qui vais te tuer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je peux rien faire pour elle. Parle. Sinon, tu vas avoir une vraie raison de pleurer. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Mais si j'agis maintenant, tout ça n'aura servi à rien. Il manquait juste ce bout-là. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer. César, ouvre-toi. Enfin, si c'est quelque chose qui va ouvrir. Maintenant, tout est prêt. Oh oh, je Chaque crois que c'est que pas je le quelque vois, chose de bon. Il m'appelle, chante. Il exprime son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle, toi aussi? Je vais rester à distance. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Non. Mon grand guerrier n'est pas encore arrivé. Écoute, espèce de misérable. Reprends-toi et tiens ta langue, imbécile. Un peu de respect pour la lignée. Ok. Ouh, j'ai quand même une impression. C'est qui ça? Non, me dis pas que c'est... Comment il s'appelle déjà? Je vais Elpenor est mort. L'un de vous... Mon frère, plutôt. ...est un traître. Ou plutôt Cassandra. Bref, peu importe. L'artefact nous donnera son nom. Quoi? J'espère que c'est pas moi. Chacun il a pris. Passera l'épreuve. Et tu es le premier. Va.
j'ai comme un mauvais pressentiment. J'espère que ce sera pas moi après. Non, je vais me retrouver dans la grosse merde. Oh, on dirait que c'est moi. Toi. Dans combien de temps ça va durer cette merde? Moi, si j'avais été lui, j'aurais pris chaque personne une à la fois. Sans exception. Si je voulais vraiment trouver un traître. Toi. Oh oh, j'espère que c'est pas moi. Qui es-tu? Va! C'est ça que je me disais, c'est Alexios. Quoi? Viens ici! Je crois que ça l'a énervé. Ah, je vois, j'ai compris. C'est chiant d'avoir pris quelqu'un comme ça. Mais bon. Tant que c'est pas moi. Oh my god. Eh ben. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va venir m'attaquer? Est-ce qu'il va venir m'interpeller? En tout cas, une chose est sûre, je pense que ça va peut-être soit ravir Cassandra que il est encore là ou ben encore en vie, ou sinon ça va l'énerver. Ça va la déranger. Parce que c'est lui qui dirige le culte en ce moment. Ah, tu es en vie. Le culte a une armée, le culte en veut à ma mère, le culte contrôle tout. Il y avait des gens au temple. Je n'ai pas vu leur visage. Ils... Hérodote. Ils dirigent tout le monde grec. Absolument tout. Je vois. C'est pire que ce que je croyais. Évidemment. Ce n'est pas tout. Ils ont une arme. De quelle sorte? Un soldat. Plus fort et plus féroce que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Hérodote. C'est mon frère. Waouh. Nous devons aller à Athènes. Athènes? Nous devons plutôt trouver ma mère. Mes vêtements. Ma lance. Qu'est-ce qu'il l'a fait? Ma lance! J'ai comme un mauvais pressentiment là.
Il a supprimé quelque chose qui m'appartenait. Parce qu'il a l'air bizarre. Le culte de Cosmos appelle mon frère Deimos. Il s'est servi d'un artefact pour lire mes souvenirs. Cassandra, l'homme que je sers, il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà entendu le nom de Périclès ? Périclès est le général qui dirige la Ligue de Délos contre Sparte. On dit qu'il est impitoyable. Nous ne menons la Ligue contre personne. Périclès est un homme de paix. Cette guerre lui a été imposée. Comme à nous tous. Un général qui s'opposerait à la guerre ? C'est étrange. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre, comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre lui, il faut le prévenir. Allez, partons. Il est trop tard, je m'inquiète seulement pour ma mère. Il est trop tard, c'est un peu égoïste de dire seulement pour ma mère. Tu n'étais pas là, Hérodote. Le culte a la main mise sur tout. Rien ne peut l'arrêter. C'est bien pour ça que tu dois agir. Il veut détruire l'ensemble du monde grec avec cette guerre. Je refuse d'être un pion dans ton jeu, Hérodote. Alors ne le fais pas pour moi. Fais-le pour ta mère. S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi ? Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes, et donc du monde. À Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Eh ben... Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du lion de Léonidas au Thermopyles. Léonidas ? Pourquoi ? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance, mais faisons vite. Les Thermopyles, et ensuite Athènes. Je vais faire en sorte que chacun de ces adeptes meure de ma main. Culte de Cosmos. Le culte de Cosmos est une société secrète regroupant des gens de pouvoir qui cherchent à contrôler le monde. Rechercher des indices à travers le monde grec pour dévoiler l'identité de tous les membres du culte et annihiler définitivement. Ouvrir le menu des adeptes. Maintenant, il y a un menu des adeptes. Et voilà, culte de Cosmos. Depuis le menu des adeptes, utilisez les nouveaux indices pour dévoiler des adeptes, les traquer et éliminer le culte de Cosmos. Fantôme de Cosmos. Pour dévoiler le fantôme, traquez tous les sages. C'est qui ça? Epictetos, le prolixe, le filon d'argent. L'activité de construction, blablabla, ok. Ok, donc en fait, ça c'est les indices, puis ça c'est ceux que j'ai découverts. Oh, mais je me suis déjà occupé de lui. Puis lui aussi. C'est pour ça que c'est en rouge. C'est juste des morceaux de quête. Okay, rien d'important. Oh, c'est quoi ça? La traque du culte de Cosmos. On ne connaissait que sous le nom de culte de Cosmos, ce qui infligeait le chaos, guerre et famine à ses contrées. Ses adeptes avaient imposé une tragédie à la famille de Cassandra et allaient faire justice de manière sanglante, qu'elle associait depuis les ombres. Souvenir réveillé. Parler à Hérodote au Thermopyle. C'est ça. Mon dieu, on a des quêtes à faire.
Mais ça, c'est depuis les ombres. Bon. Ok, je peux pas voir chaque membre là, sérieusement. Ouais, ça tu me l'as déjà dit. Plusieurs quêtes acceptées, ça je le savais déjà. Bon. Juste voir un truc. Non, c'est pas ça. Oh, waouh. Attends, sérieusement, il y a même du niveau 50. Waouh. Eh ben, ben. Oh, waouh. Ok. Espoir consumé. La destruction du ravitaillement atténué est un bon moyen d'affaiblir les forces de cet état. Ça, on verra une autre fois, là, parce que là, non, j'ai pas le temps pour ça. Mais, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pour l'instant, suivre cette quête. Mais ils ont dit du niveau 13. Ok, on va faire ça à la place. Ok. Donc, je vais faire cette quête sans l'équipage. En fait, c'était une quête qu'il fallait que je trouve l'équipage de... La capitaine Gelon, ou Gelon, peu importe. Puis, c'est ça, il fallait que je le trouve, en fait, son navire et son équipage. Je l'avais déjà accepté, mais je l'avais jamais réellement fait. Donc, on va faire ça, mais pas pour aujourd'hui, ou plutôt pas pour cet épisode-là, mais pour le prochain épisode qui va être l'épisode 13. Donc, je le fais en ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner. Alors, je vous dis...